suis encore avec Néo. Yo les potes. Emoji Cheyenne. Let's go. Et qu'est-ce qui change dans celui-là? Ah oui, voilà, en gros, on va recevoir une série d'emojis. Ok. Et du coup, les emojis, c'est aussi, ça va pas être des charades, mais en fait, ils vont identifier quelque chose. Enfin, genre, si tu vois une baguette, tu vois une baguette de sorcier plus un quelqu'un avec une cicatrice, et bien, c'est Superman. Non. Ça va faire Harry Potter. Du coup, ça va être sur le thème des films, des animés, des jeux vidéo, c'est ça? Très bien, bonsoir, c'est parti, on commence. On y va. Allez, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche et c'est parti, premier round. Ah oui, en fait, petite nouveauté que j'ai pas dit, on a des buzzers. Mais oui, attends, les buzzers, c'est hyper important. Cette fois-ci, au lieu de crier les réponses comme ça, on va faire. C'est bon, je connais la réponse. Voilà, exactement. Donc c'est parti, on commence. Ok, let's go. Ok, c'est parti. C'est parti. Winnie l'ourson. J'ai tapé en premier. Ouais, mais je l'ai dit en premier, j'ai tapé en premier. Non, j'ai tapé en premier, du coup c'est moi qui dis la réponse. Mais... Et alors, j'ai beaucoup mal à trouver, mais c'est Winnie l'ourson. Non, quoi. Arrêtez, non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas ce point pour Swan. Ouais, bah c'est pas toi qui fais. Est-ce que tu l'as trouvé en fait? Oui, j'ai trouvé. Mais juste, t'as appuyé plus vite que moi, du coup tu m'as donné la réponse. Mais Swan, c'est injuste. Quand t'as appuyé, il faut crier, faut pas attendre. Non, mais en fait. Ok, bah très bien, ok, bah j'ai compris. Très bien, ok, oh, ok. Rageur. Non mais tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas comprendre. Monsieur Rageur là, allez, 1-0 pour Sven. Ok, bon, et c'est parti. Il se prépare déjà son buzzer. Ça. C'est... Allez, un partout. D'accord. Squid Game. C'est pas Squid Game. Eh, mais j'ai sonné avant, et c'est mercredi. Mercredi quoi? Hey, yes. Non. 3-1. Attends, non, 2-1. Tricheur. 2-1, oui. Non mais Swan, c'est pareil, 3-1, 2-1. Ok, allez. Ah, c'est Harry Potter. Deux partout. Ok, deux partout. Oh, j'ai compris ce que c'était. Le Hobbit. Non. Les Schtroumpfs. Regarde. Donc, il y a bonnet. Il y a quoi? Ah, ok. Moi, bon, j'ai vu que le sorcier. J'ai pas réfléchi longtemps, mais Swan, bien joué. Allez, 3, 2. Hein? One Piece? Yes! Attends, c'est One Piece ça! Bah, Swan, regarde, il y a un chapeau de paille, oui, y a un point, il y a une pièce, oui, de la médaille. Une pièce. Voilà. One Piece? Tu vois, il y a plein de trucs quoi! Ouais, ok! C'est quoi ça? Retour vers le futur! T'as pas regardé les films toi, donc tu sais pas, Back to Future! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné un point! Le 3! C'était pas ça? Non! Quoi? Mais sérieux, t'as dit deux réponses! Ah, j'ai dit Retour vers le futur 3 quoi? T'as dit Retour vers le futur, Back to the Future, et ensuite Retour vers le futur 3. Bah, c'est la bonne réponse en fait, mais bon voilà, hein, j'ai trouvé. Alors, ça, regarde, qu'est-ce qui m'a fait dire ça? Bah, il y a un cowboy, là il y a un symbole pour remonter dans le passé, là il y a le 3, là il y a la DeLorean. Alors, moi, c'est une fois cowboy que j'ai reconnu. Swan, il a pas tout regardé pour le Retour vers le futur, et c'est bien dommage, hein. Swan, là, faut que tu le regardes là. Allez hop, ce soir, on se tape tous les Retours vers le futur. Allez hop, on enchaîne. Et du coup, il y a 4-3. Ouais, 4-3. Petite sirène, écoute. Eh oh, j'ai dit en premier. C'est moi qui ai appuyé en premier. Il y a petite sirène. Néo, faut d'abord qu'on sache qui a appuyé en premier sur les 4-4. Est-ce que tu l'avais trouvé avant, Fénice? Oui. Ok, ça me rassure. Bon, bah, j'allais mettre sous l'océan parce que c'est une drôle de musique. Non mais. Eh oh, j'ai même pas vu. Hôtel Transylvanie. J'ai même pas vu arriver. 5-4. Tu sais, j'ai cligné les yeux au moment où il y a. Non, mais Swan, il faut avoir le sens de l'observation, tu comprends. Qui, ouais. C'est dans la mer. Allez, de toute façon, tu l'as pas trouvé avant. Il a essayé de. Allez, 5-5. Allez, hop. Tu veux jouer à ce petit jeu, hein? On l'a dit en même temps. Attends, c'est Alice au Pays des Merveilles. Non, c'est pas ça? La Belle au Bois Dormant. Non. Oh, la Belle et la Bête. J'ai reconnu la rose et c'est tout. 6-5. Sérieux, bien joué. Je sais pas ce que c'est. On a appuyé. C'est de quoi, cowboy, cosmonaute, des moutons, un cochon, un dinosaure? Oh, je sais. C'est Toy Story. Ah, bien joué. Bien joué. Oui, wouh. Ça fait 7-5. Oh non, je me fais éclater là. Wow. Ah ouais, du coup il y a Woody, il y a le cheval. Eh oh, j'ai pas fini d'expliquer. Ouais, attends, c'est quoi ça? Donc attends, c'est quoi? Mary Poppins. Oh, sérieux? Allez hop, 7-6. C'est Vaiana. Oh, vas-y. Oh, j'ai reconnu Ray. Ça joue vraiment à la frame, j'ai cligné les yeux, j'ai pas eu le temps de voir qu'il y avait un nouveau message qui est apparu. Et là, perdu.
c'est une blague. Oh non. Et là, je sais pas en plus. Terminator. Pourquoi ce serait ça? Pokémon et Pokémon. Avenger. Pourquoi Avenger? Marteau de Thor. Bouclier Captain America, l'armure robot, c'est Iron Man et le point c'est Hulk. Voilà. Wow. 8-6, 8-7, 8-7. Wow, voilà, c'est ça qu'on veut. Hein. Lord of Ring. The Hobbit. Ah non, je sais. C'est Wiyo. Wiyo. Ah non. Un roi avec une épée, un sorcier avec une baguette magique. Il y a plein de scénarios comme celui-ci, hein, donc ça me dit trop de choses. Oui, c'est mais... super commun. C'est quoi cette année? Un hamster donc. Oh je sais. Attends. C'est la légende du roi Arthur. Avec Excalibur. Le roi Merlin. Non non c'est... Comment il s'appelle ce dessin animé? C'est le roi Arthur. Merlin l'enchanteur. Oui. Non. 8 partout. Oh la galère. En fait si ça n'était pas là j'aurais pas trouvé. Je sais même pas ce que c'est. Vice versa. Non, ça va non, plus être wow, humains. C'est pas dire ça. Blanche-Neige et les 7 nains. Non. Le miroir, la un pomme, balai, le balai et la sorcière. Coup, et là, les 7 nains 8. Qui ont tous des trucs différents. Il y a grognon, il y a content, il y a fatigué. Toi, t'as fatigué. Donc 9-8, monsieur fatigué. Ouais. Allez hop. Bon, on est où? Je pense que c'est Chron, grognon. C'est le prof, le premier nain. Ah oui. Ensuite alors, c'est colère. Vous savez quoi, pour ceux qui savent le nom des nains, donnez-nous en commentaire. Ouais, parce que nous on sait pas là, vraiment. Oh là. Ok, c'est parti. Allez hop. C'est 9-8 hein. J'ai tapé en premier. C'est Dumbo. Oh non, bien joué. 9-9. Aladdin, la lampe magique. Oh, sérieux. Allez hop, 19. Donc voilà, on a le génie. D'ailleurs, Dumbo, on l'a pas dit, on a l'éléphant, on a la souris, on a les plumes pour le chatouiller. La plume, elle sert pas du tout pour chatouiller. En gros, Dumbo pense que c'est la plume qui fait bruit, alors que non, c'est ses oreilles. Et oui, tu as vu combien de temps, Dumbo? Il y a des années. Du coup, Aladdin, il y a le génie. Donc a... l'éléphant, c'est Swan, non, le singe aussi. Aladdin, le génie, c'est moi. Voilà, enfin, normal quoi. C'est magique. Non. Trop fort. 10 partout. Ah! C'est pas iTunes. Oh, je sais, c'est la maison de Mickey. Oui, regarde, il y a deux souris, c'est Mickey et Minnie. Il y a deux canards, c'est Donald et Daisy. Et deux chiens, c'est Pluto et Dingo. Il y a Papat. Il est où, Papat? Pat. On aurait pu mettre une boîte de pâte. Il est où aussi le professeur Donald de fou là, tu sais, le Donald? Géo? Oui, non, non, c'est pas Géo, c'est l'autre dans la maison de Mickey. L'autre professeur, tu sais, avec la calvitie là. Oui, je sais pas comment il s'appelle. Oh là là, vous me direz en commentaire. Je l'ai regardé hier. Voilà, on enchaîne. Et du coup, ça fait 11-10. Oui. Oh là là, faut que je me rattrape là. C'est quoi? Dora? Oui, oui, c'est Dora! Avec Shipper, arrête de shipper! Non, arrête de me shipper mes points! Le singe, et Totor, et la carte. Et la carte! Et le sac qui parle de Dora. Oh! Alice Bénéraï! Wow! Oh, impossible. Ça, c'est droit! Alice, 12-11. Ouais. Le lapin, il y a le chancelier, il y a la chenille. Il y a le gâteau, il y a voilà, le, courant, y a le y a lapin qui est toujours en retard, il y a la reine de cœur. Voilà, bon, il y a tous les rêves, quoi, on connaît. Hein. Voilà. En fait, Néo, ce n'est pas du tout un chancelier, c'est un chapelier. C'est le traître, c'est le Sith, c'est le chancelier Palpatine. Néo, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on est à combien? 12-11. Ratatouille. Eh, c'est moi qui l'ai dit en premier. Mais non, on a fait en même temps. Ah ouais, on a dit en même temps. On a fait en même temps et je l'ai dit en premier. Donc, je suis le meilleur. Et je fais un magnifique 13-11. Oh, voilà pour le petit Swan. Et du coup là on a Soara, le ratatouille, le cuisinier Swan, excellent. Le fromage et les patins roulettes qui sont dans le restaurant de Gusto. Zootopie. Ah, trop fort. Attends, le temps de réaction. C'était Zootopie. Oui, c'était vraiment Zootopie. D'accord. 12-13. Enfin 13-12. 15. Et oh, on a dit en même temps et tu l'as dit en premier. Voilà, ça, c'est la perfection. 14-12 du coup. 14-12 pour le roi Néo. Je sais, c'est réponse. Non, c'est... Non, c'est pas abonné au bon armement. Non, il va s'appeler, il va se passer. Il va s'appeler. C'est pas réponse. C'est Cendrillon. Non. Avec les animaux qui parlent là. Oh, salut, Cendrillon. Il y en a 6000, des princesses.
Il y avait la fameuse chaussure, la citrouille, il y a l'heure aussi minuit avec la baguette magique, machin. Vous avez 15-12. Et voilà, 15-12. Oh, c'est super dur. Ah, c'est trop bien. Hulk. Hulk, c'est le mail. Et voilà, allez hop, 16-12. Idi. Attends, des rondins de bois, une fusée, de la musique. Et un rat. Laveur. Raton laveur. Gardien de la galaxie. C'est Rocket Groot. C'est Rocket Groot, c'est la fusée, c'est les musiques des années. Oh là là. Ta ta ta. 17-12. 17-12, let's go. Et là, c'est le dernier, Swan, du coup. Ouais. Swan, ce que je te propose, c'est que ce point te permette d'égaliser avec moi. D'accord. Comme ça, là, on fait vraiment the ultime. Je prends un risque énorme, mais voilà. Ok, c'est parti. Monsieur Jack. Non. Je donne Monsieur Jack. Allez hop, Big Boss. C'est voilà, je suis meilleur, c'est tout. On a passé tous les deux notre enfance à regarder ce film des centaines de fois. Non, des milliers. Des milliards. On le regardait tout le temps. Nos parents, ils en ont marre de ce film, ils s'en peuvent plus. Maintenant qu'on veut le voir, alors que ça fait longtemps, ils disent. Non, c'est bon, on peut regarder autre chose. Ça fait trop de fois qu'on l'a vu. Et pourtant, Swan, hein, du coup, c'était celui qui l'a vu le plus récemment, même si ça fait plusieurs années, et tu l'as pas réussi. Let's go! J'allais dire en plus. Bah, du coup, voilà, c'est la fin de ce guess emoji. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Ouais, c'est, franchement, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Ouais. Bah, du coup, Néo, il y a un cadeau pour le gagnant. Yes! C'est bon, je vais te le donner. Hein. Ok, Néo. Il y a pas une blague. Tiens, ton cadeau. Ah, merci pour ce buzzer, Swan. Ça me fait super plaisir. Vraiment, c'est trop cool. Quoi. C'est trop ouais, tiens, cool. Voici ton cadeau. Wow. Oh là là, c'est le bureau de Dumbledore. Ouais, c'est ça. Méga stylé. Oh, je l'avais vu, elle est magnifique cette boîte. Donc voici le bureau de Dumbledore. Moi je vais dormir hein. Voilà, on a Ruzard. Là du coup on a le phénix qui vient de mourir et qui du coup est devenu un bébé. Donc franchement la ref elle est incroyable. Là on a le livre qui hurle, qui nous a tous fait sursauter dans la salle. Clairement. Là on a la pancine. Enfin bref, je trouve que... Et là, il y en a l'épée de Gryffondor aussi, donc je trouve vraiment que les refs, elles sont toutes bien placées, parfaitement. Cette boîte, elle est juste magnifique. Franchement, je vais grave kiffer la construire. Une très très belle pièce, là, je suis trop content. Bon, en tout cas, Swan, ce challenge a été incroyable. J'ai surkiffé, j'étais bien gâté en plus à la fin. On espère que ça vous aura plu. Pensez-vous. Bonne et surtout, à vous. Enfin, en gros. Bisous. En vous. Salut. Ouais, tout le monde. Bye. Plein de bisous.